Donc on se retrouve sur Icarus. J'avais posé mon petit lit afin de faire ma petite sieste. Je vais récupérer tout ça, ça m'évitera de les refaire. Très bien, dans la chariote. Là, je pense à des choses. Il faut absolument qu'on trouve quelque part où se poser. Je mets des choses lourdes dans le coffre. J'ai faim. Ça, tac. On va récupérer le lit, bien sûr. Important le lit. Et. Ah, je récupère tout, mais les rondins. Le peu de rondins que je peux récupérer, je le fais. Ouais, j'en avais mis un peu partout. L'angle n'était pas bon. Ouais, ça ira bien. On est comment? Hop. Bah tu poses. Tu poses. Voilà le reste. Ok, il est chargé. Où est? Il est où Jean-Pierre? Jean-Pierre. Il est là. Il m'a fait peur. Eh, ne me faites pas peur comme ça les gars. Tu as un petit peu d'eau? Voilà. Maurice, je vais lui filer de l'eau aussi, mais j'ai l'impression qu'il va me boire toute ma gourde. Non, ça, il m'en reste un peu. Bon. Nourriture, par contre. Maïs, ouais, je commence à plus rien avoir. Il est temps qu'on arrive. Je vous le dis tout de suite. Donc, nous étions ici. Donc, on va aller faire un petit tour. Je le sens pas, pour moi... C'est bloqué. Hein. C'est bloqué, mais pourquoi pas. Voilà. Ce que je me dis. Laissons une chance. C'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un chevêtrement de petits ruisseaux. Si je vais par là, il y a quoi? Bon, bah, on va aller voir. Ah, ça sent la neige encore. Hein. Je suis désolé, mais bon, là. La neige, j'en ai un petit peu ma claque. Et en même temps, vous me direz, la neige, on n'y est jamais allé. Hein. S'installer dans le biome neige. On y est passé. D'ailleurs, on est mort comme une grosse larve. Je vais aller voir comme ça, parce que Maurice a du mal à monter. Mais sinon, on ne s'y est jamais installé. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Bon. On peut passer à côté, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a de, il y a de l'herbe. Allez, allez, vas-y. Oui. C'est quoi ça? C'est petit. On passe. De la neige. Oh non, de la neige. Bon, je me barre. Je me barre. Toujours de la neige. Bah, je peux pas. Malgré ma tenue, j'ai froid. Donc, j'imagine. C'est la question que je me suis posée en off. Je me suis dit. On a la tenue, mais on ne peut pas passer. Donc ça se trouve. Il y a des choses à faire, genre des bandages thermiques par exemple. Voyez-vous ? Ça, ça guérit. Ah, ça guérit, ça. C'est pas une poche comme dans Subsistance. Non, puis bon, sur le long terme, c'est pas forcément très viable. Hein. Bon, faut que ça soit viable tout le temps. Hein. C'est pour être dans le biome neige pendant 10 ans. Y avoir froid tout le temps, c'est pas la peine. Il faut que ça maintienne ma température. Allez, je prends ça. Oh bah là. Maïs. Maïs, je viens de vous dire même. Elle est où? Où est ma faux? Elle est là. C'est du maïs et beaucoup de maïs. Allez, tu récupères ça. Voilà. Ramasse. D'accord, j'ai plus de place pour être mon maïs. Bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Là, Maurice, il va finir. Jean-Pierre. Tu peux rester là, Jean-Pierre, s'il te plaît? Un peu de concentration. Voilà, tu finis tout ça. Et on ramasse le reste. Il n'y en a plus d'autres, hein? Non, c'est bon. Allez.
On refait les stocks de maïs avant de repartir. Il faut qu'on s'installe aujourd'hui. Ah, j'ai trop de matos sur moi, trop de risques. Vite, on se barre. J'aime pas les facochards, des fois ils attaquent, c'est débile. C'est un cul-de-sac. Ah oui, oui, bah je. Je vais pas aller faire le tour pour vérifier, ça se voit d'ici que c'est un cul-de-sac. Putain, ça m'agace. Je vais vérifier quand même ou pas? Je vais vérifier, allez. Ouais, faut toujours vérifier. Pour ne pas avoir de regrets. Hop. Par contre, ouais, il faut que tu passes. Oh là là, c'est, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, ça passe. J'ai peur. Hein. Très bien. Puisque c'est un cul-de-sac, on repart. Dommage. On confirme. Eh oui, voyez-vous. Alors là, ils disent que pareil quelque chose, mais non, pareil. Hein. Là, c'est de la montagne, c'est une chaîne de montagne. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, c'est quand ça me fatiguait, on va aller. On va aller où? On va aller par là. On va aller par là et on va descendre. Là, il y avait un lac déjà. Enfin, un lac, ouais, si c'est un lac. Un lac avec une grosse île au milieu. Parce que là, j'en ai marre. Il faut absolument qu'on trouve un point pour se poser. On va passer par ici, voir en G12 s'il n'y a pas un passage. Je pense pas, mais bon. Et on se retrouve, sinon, on se retrouve ici. Abeille. J'y vais. Faut du miel. Dégage. Ok. Par contre, il me faut inventaire. Si j'ai bon, c'est juste qu'il faut, j'ai de la place. Ouais, ça en fait déjà 5. Oh, 5, pas mal. Pas mal du tout. Je prends un peu de soufre. Voilà. Il me faudrait des roseaux. Des fleurs bleues, là, je crois que c'est ça. Ah, faut me suivre, par contre, Maurice. Hein. Car si je n'ai plus assez d'eau, je devrais boire dans la rivière. Et dans la rivière, vous imaginez bien qu'il y a des parasites. Est-ce qu'une suffit? Antiparasitaire, oui, une. Il faudra du charbon de bois. On le pose. On lui met un petit peu de bois. Est-ce que j'ai du bois, d'ailleurs? Oh, je sais rien du tout. Ah si, j'en ai. Allez. Non mais il faut pas faire ça. Tu fais ça et tu balances la moitié. Allez. La moitié. Et là tu me fais. Alors déjà tu t'éteins. Voilà. Parce qu'on n'y est pas encore. Ah si, bah si, faut que tu t'allumes. Allume-toi et fais-moi du charbon. Voilà, fais-moi en 2-3. Et là logiquement je peux me faire. Non mais ça c'est moi ça. Ils sont venus m'aider. Ils sont tout mignons. Donc on va éteindre afin d'éviter de mettre le feu à la forêt. Je récupère le charbon. Donc j'ai mon antiparasitaire. Je vais continuer à boire. Comme ça. Là. T'as faim Maurice ou pas? Non c'est Jean-Pierre. Je les confonds tous les deux. Hein. Bizarre hein. C'est bizarre. Ah, il est où? Il est là. Il est reparti. Par contre, je n'ai qu'une, je n'ai qu'un bandage antiparasitaire. J'aimerais bien retrouver une fleur ou deux. Je regarde. Ah, j'ai failli oublier mon foyer. Remonte. Mais, ça m'agace. Alors, par contre, ça, les sauts, qu'est-ce que c'est une catastrophe dans ce jeu. Allez, il n'y a rien. Hein. Je suis censé monter. Hein. Bon, il va bien. Ok, bah pareil, hein. Je récupère ça et on récupère le foyer. J'ai bien fait de repasser par là, j'ai failli l'oublier. Ouais, j'ai plus de place, c'est ça? Et bah écoute, si j'ai plus de place, tu vas me dégager. Ah, tu me dégages des trucs là, faut. Tiens, la pierre, vas-y, dégage la pierre.
Ah, c'est parce qu'il y a du bois. Oh, ça en bloque un peu. Si, allez, je le prends. Ok, c'est parti. Vite, vite, il y a encore un Térénus. On se barre. Ah non, allez, on se dépêche. Passons histoire de passer la nuit. Tranquille. Enfin, la nuit. La tempête, déjà. Ok. On la reprend de repas, oui, on la reprend. Alors, par contre, si vous pouvez essayer. Oh là là, là. Vite. Vite, vite, vite. Non, trop tard. Il a tapé Maurice. Vas-y, va te mettre ici. Mon loup est où? J'espère qu'ils n'ont pas tué mon loup. Non, il est là. Il est où? Je sais pas. Il est planqué quelque part. Il est en dessous. Il s'est foutu en dessous. Ah, t'es un malin, toi. Parfait. Allez, on va attendre. Je reprends après. C'est bon ou pas? Ouais, impeccable. On peut repartir. J'ai de la place pour les murs. J'ai pas de place pour le reste, par contre. Si, c'est bon. Alors, récupère tout. Récupérons notre petite cabane mobile. Il est caché en dessous. Sérieux. Jean-Pierre. Arrête tes zinneries. C'est pas là pour jouer cache-cache. Et le quatrième, il est là. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut, on est d'accord. Et on est reparti. Là, on a un loup. On descend, on le fume direct avant qu'il nous saoule. Donc, pour le coup, nous, on va essayer d'aller ici. Hein. Ouais. Voir peut-être là. On va déjà peut-être se poser. Une petite baraque ici. On va déjà voir. Si jamais il y a un biome qui apparaît de l'autre côté, on se posera. Ah, quoique, bah non, ça sert à rien de se poser. Autant se poser dans le biome s'il y a un nouveau biome. On va faire 50 000 baraques non plus. Une par biome déjà, c'est pas mal. C'est quoi ça? Attention. Non, ça, c'est un CR. Alors, faut être honnête, hein, à force de faire la carte, hein, de long en large, on va bien réussir à tomber sur un biome désert ou autre, parce que bon, la neige, voilà, pour l'instant on n'est pas assez protégé contre le froid pour la faire, donc c'est un peu compliqué. Jean-Pierre nous suit, parfait. Évite d'être en endurance épuisée, toi. Si un ours arrive, on fait comment? Bah ouais, non mais tu... Ça m'agace, ça. Régule ton endurance, Maurice. Ah ouais, j'y suis pour rien. C'est toi, hein. Allez. C'est vrai que vu comme ça, on a du mal à imaginer un lac. Mais bon, visiblement, il y en a quand même un. On arrive bientôt. Donc par contre c'est sur la gauche, là j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je peux prendre un peu de hauteur pour voir? Ouais, je me rends pas compte. Ça passe derrière aussi, oui, on peut passer derrière. Oui, il y a forcément quelque chose, hein, ça c'est sûr. Mais quoi? Regardez. Ça bouge. Les montagnes bougent. Donc un décrochage, on peut passer derrière. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. On est déjà venu ici, mais oui, c'est vrai qu'on a fait notre petite bicoque, exact. Ah, une famille bison y a élu domicile. Impeccable. Tout le monde est là. Tout va bien. Ouais, rapproche un petit peu quand même. Ah ouais, t'es ici, voilà. Je préfère, ah je préfère. J'ai même envie de te dire... Je vais faire... Attendez.
On va faire même quelque chose d'intéressant. Allez, fais-moi un tour en chaume. Voilà, parfait. Faut être professionnel jusqu'au bout. Oh, y'a un ours! Oh, je l'ai pas vu. Ah, mais là. Oh, mais qu'est-ce que je fais à tomber dans l'eau, moi? Oh là, oh là là! Mais remonte! Oh, la panique! Oh là là, mais d'où il sort lui? C'est bien au pépère, dis donc. T'es battu courageusement pour la peine. Je te redonne des petites friandises. Tu vas régénérer un peu parce que là, 70% c'est pas terrible. Ah, le petit fumier lui! Je vais pouvoir récupérer de l'eau. En plus, j'ai vu qu'il y avait le récupérateur ici. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Oh, c'est super! Je sais pas. Si, c'est rentré. Voilà. Nickel. Ça, tu la dégages. Est-ce qu'il faut le faire en fait depuis tout à l'heure? J'ai pas eu le temps. Voilà, comme ça. Il a quand même pété, non? C'est quoi ça? Je l'ai pas vu ou c'est. Non, si, je l'ai pas vu. Il a pas pu. Il est pas rentré donc il a pas pu le péter. Nickel. Est-ce qu'on peut dormir? Il faut un feu. Oui, il faut un petit feu. Et le feu, normalement, j'en avais laissé un dehors. Non? Oui, s'il est là. Ok. Je récupère le charbon. Je mets une petite bûche, ça devrait aller. On dort. Vite, vite. Parfait. Ah! Ah oui, tu peux pas m'attaquer, hein. Ah, débile. Tu peux pas m'attaquer parce que Maurice, il est protégé à l'étage. Oh, j'ai eu le nez creux. J'ai eu le nez creux. J'ai quoi là-dedans? De l'oxyde. Ouais, j'ai quelques ressources. Je vais les laisser là. Je vais peut-être prendre le bois. Peut-être en avoir besoin. Je peux peut-être éventuellement cuire là-dessus. Je reprendrai le bois. Je vais me faire 2-3 steaks. Histoire 2 et puis après on repart. 7 heures. Ah, trop de danger là. C'est quoi ça, ce lac là? Un ours, un jaguar. Je récupère. Non mais c'est insensé. C'est insensé. J'ai pas pris quoi? Les os? Ah 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 ah. Par contre ça. Carlos, je vais en avoir besoin. Ça dégage. Ça dégage. Ok. Bon. Il a pété le sol aussi? Non bah c'est bon. C'est ça qui a pété. Très bien. Je récupère le bois que je ne peux pas. Je vais quand même vérifier sur Maurice. À mon avis, j'ai des trucs qui ne servent plus à rien. Ok. Bon, je vais éteindre. Je vais récupérer les steaks. Ah, ce sont pas des steaks maison, donc forcément il les prend pas. Et bah, t'éteins. Tu éteins et ouais, ça je dégage. Hop. Ma torche est foutue. Ah, la torche étant foutue, est-ce que je peux en refaire une? Classique, oui. Je peux la faire, mais elle est partie où? Elle est là. On récupère Momo et on est parti. Allez, on poursuit. Peut-être prendre sur la droite. Ah si, y a un passage là. Mais bien sûr. Il passe où d'ailleurs, par contre, le passage? Parce que c'est bien beau, hein. Ah oui, on dirait que ça monte comme des lacets. Tac, tac. Ça m'agace, hein. Donnez-moi des roches à péter.
Ah, y'a quoi? Y'a que dalle. Hein. Alors c'est bizarre parce que par endroit on a l'impression qu'il peut y avoir une grotte. Et rien ne s'affiche. Y'a rien. Que dalle. On va contourner. On n'est pas trop loin, on va essayer de passer par là. On va y arriver, aller dans le désert ou pas là? Ah, je pense à me poser des questions. Ça Maurice? Impeccable, dis donc. Allez, s'en prend au petit. Non, arrêtez. Laisse le petit tranquille, il a rien fait. Allez, on est parti. Ouais, t'as rien fait, toi. Bah non, t'as rien fait. Là, tu veux me suivre? Allez. Allez, hop. Sentir à moi seul. Pendant quelques heures. On poursuit. Ouais, bah ça va être un biome, biome neige. Je le sens. Hein. Bizarre. Hein. Alors quand je dis je le sens, en fait, je le sens pas. Voilà, Maurice. Très bien. Et là, il a joué des patins. C'est une technique ancestrale, ça. Qui se transmet de génération en génération. Et quand j'en suis déjà peut-être à la 3ème ou 4ème génération, parce que je fais pas gaffe. La technique a été peaufinée. On est où? Là. Ok. Bon, c'est parti. On espère. Là, on a peut-être encore du miel. Ouais, j'entends. Je l'entends. Pour le coup, ça, je mange. Et je reprends ma hache. Mais passe pas devant, j'ai peut-être un coup, Maurice. Ah, c'était Jean-Pierre. Ah, tiens, mais il y a Maurice aussi, ils sont tous là. Mais... Poussez-vous! J'ai trop de bestioles, je vais dégager le moi. On peut passer là, non? Non, on peut pas passer. Ah, toi, toi, dégage, voilà. Hop! Vegas. On retourne voir ta tante Ghislaine, je sais pas où elle est. Donc là, on part. Ouais, par contre, j'ai l'impression. Ah, je sais pas. Allez! On y croit! Pour l'instant, les deux biomes déserts que j'ai pu entreapercevoir, impossible de les rejoindre. En tous les cas, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de, y a rien. Bon, il n'y avait pas sur Olympus des tunnels, hein, j'en avais pas trouvé donc bon. Il y a forcément une autre façon de faire. Et là, on a quoi? On a de la neige. Ah, c'est génial, c'est super. Franchement, on va pas y arriver. Hein. Bon, on va aller voir ça. Parce que mes animaux vont se les geler, c'est sûr et certain. J'ai une protection quand même. Hein. Mais ça ne suffit pas. On attrape quand même froid malgré tout. Dès que j'aurai froid, je verrai ce qu'il faut. Enfin, je cliquerai sur le petit logo pour voir. Ce qu'il propose. Une espèce. C'est peut-être une variété de nourriture à prendre. Peut-être en allumant ma torche. Je vais voir. Donc, nous sommes dans le froid. Ah, puis en plus, c'est ouais, bah, super. Franchement, c'est génial. Tempête de neige. Si je fais ça, j'allume ma torche. Et où ça l'arrête? Là, on est pas mal. Avec la torche allumée, on est bien. Donc si ça se... Non, ça reste pas comme ça, je vais passer dans le froid dans pas longtemps. Parce que j'accélère comme un débile. Non, c'est qu'il y a une tempête qui arrive, c'est tout. Voilà, c'est... J'ai le petit logo qui apparaît. Donc, c'est quoi ce petit logo? La faim augmentée, vous devez vous réchauffer ou trouver un abri. Ah, c'est ce qu'on va faire. On va se poser là. Vite, vite, vite.
Les murs. Fondation. Les poteaux sont où? Les poteaux, c'est Maurice qui les a? Ou est-ce que je les ai virés? Non, je les ai gardés. Là, oui, il y a un bois qui arrive. Hein. Le mot arctique, tu dégages ou comment ça se passe? Je te tape. Je te sens pas là. Ouais, je te sens un peu taquin. Laisse-moi tranquille. Déjà, si je fais un feu. Ah, mais il va pas vouloir. L'âtre, je peux pas la mettre là. Ça, faut que je dégage. Je me dépêche. Hein. Là, c'est une course contre la montre. Vas-y, mets-moi ça là. Vas-y, dégage. Ok. Là, ici, normalement, j'ai ça. Tu le mets là. Et tu tournes. Voilà. C'est c'est pourri. Je sais que c'est pourri, mais j'ai que ça pour l'instant. C'est un dé en deux. Tu me fais un peu de feu. Non, 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 mais non. Mais non. Non. Il est où? J'ai eu peur. Tu mets ça. Tu rescindes. Et tu mets ça là. Voilà. Là, on est bien. La température remonte. Je sais pas en quoi je me suis engouffré, mais on y est. Hein. On n'est plus du tout exposé à la tempête, c'est déjà une bonne chose. Malgré que je n'ai pas de porte. Je dois en avoir une, hein. Mais ça doit être Maurice qui l'a. La rampe, elle est où? Où est ma rampe? J'ai laissé là-bas? Oh là, c'est quoi ça? Ouais, non, je vais attendre. Ouais, tu restes bien là, Maurice. Hein. Ouf, voilà, tu vas sur le côté. La porte, non, je te la laisse. Par contre, t'as pas la rampe? Elle est où cette rampe? Je vais en refaire une. Vas-y, remonte, remonte, remonte dans ton abri. C'est quoi ça? On dirait un mammouth. Ah, les deux sont là, très bien. Est-ce que vous avez faim? Oh oui, oh, par contre, ils ont faim. Et soif. Ah, il m'a tout bu. Il m'a tout bu. Et toi? Voilà. Ça c'est fait. Et. Allez au max. Voilà les gars. Parfait. Toi t'as pris des points, je crois. 3 points. T'as pris 3 points, c'est bien. Roulez vers l'avant. Étape de printemps. Régénération de santé, préservation du métabolisme, réduction de la menace. Ça, c'est très bien. Hop là, on se reprotège. Et la tempête, quand t'as vu. Hein. Soleil? Soleil ou pas? Est-ce qu'on est bon? Ouais, je redescends. Vache. Faut que je regarde par où j'ai allé. Là, par où j'ai allé, de toute façon. J'ai pas vraiment le choix. Faut que j'aille par là. Ah, je reprends un peu de chaleur. Excellent. Allez. Pour le coup, j'récupère tout quand même. Ah, c'est quand même pratique. Hein. C'est quand même pratique. Voilà, on récupère tout. Et on y va. Avant que ça tombe. Parfait. On récupère les poteaux. Également. Ils sont où? Ils sont là. Et le père Maurice, je vais pouvoir lui mettre quelques trucs sur lui. Des choses. Parce que là, pour le coup, ça, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd, mais par contre, les poteaux le sont. Voilà. Je suis moins lourd. Ça, je dépose. On est parti. Allez, go! On est à la limite. Hein. À la limite. Là, on a une falaise de neige. Du plus bel effet. Mais je pense qu'il faut mieux qu'on parte hein, par là. Hein.
Parce que là, il y a le biome désert qui est juste là, j'aimerais le récupérer. Donc on va longer. Comme on peut. Comme on peut. Sans mourir. Car c'est hostile, hein. Il y aura un passage derrière, là. Et pareil, je vais mettre le fusil ici. Allez Maurice, on y va. Jean-Pierre nous rejoint. Aucun problème. Là il y a des arbres. Il y a des arbres pour construire quelque chose. Mais il n'a pas l'air immense, c'est ça le problème, c'est que s'installer dans le biome neige, pourquoi pas. Mais ça n'a pas l'air grand. Pas l'air grand, ouais, j'ai déjà froid, sérieux. C'est pour ça que j'ai pris de l'eau. Aïe, il y a des loups. On est épuisé. Là, oui, il y a un mammouth. Oh non, mais sérieux, c'est pas une vie, hein, franchement. Il y a de la fibre. On a des fibres. Je descends pour ramasser. Allez. On aura besoin pour faire des torches. Ça nous protège un petit peu malgré tout. Et ça s'arrête là. Je suis où là? On est où? Ah, il est en train de se battre, Maurice. Vite! Voilà, merci. Bout des neiges, je vais voir ce qu'il propose. Je pense pas qu'il y ait des choses différentes. Par contre, il faut mon couteau. Il est là. Ah oui, on se dépêche quand même. Hein. Que propose-t-il? Ouais, pas grand chose de plus. Allez, Maurice. On est reparti et du coup c'est pas. Ah! Attention mammouth! Bah c'en est un. Ouais, tout ne peut pas être hostile quand même, si? Tout est hostile. D'accord. Ouais, par contre Jean-Pierre t'accélères, hein. T'arrêtes de traîner et de chercher la bagarre. Oh, dis donc, à droite là, il y a du vert. Je prends. La droite, c'est là. Attends, j'ai l'impression que j'ai... Oh, je vais pas pouvoir y aller. C'est ça? Ah, c'est encore bloqué. Ah, mais sérieux? On est d'accord que là, je vais dans la bonne direction. Oui. Bah, écoutez, on va voir. J'espère que c'est une grotte. Il y a l'air d'avoir un renfoncement. C'est peut-être bon. Qui dort là. Allez, faut pas dormir. Allez, déjà 18h. Oh, oh là là là, peut-être faire passer la nuit. Bah, dis-moi que je peux passer quand même. Oh, Non, mais j'y crois pas, vraiment, j'y crois pas. Non, oh, sérieux. Mais on passe comment ici? D'accord, très bien. Une fois de plus. Une fois de plus, on peut pas passer. C'est quand même dingue, hein. Il y a des passages, mais on peut pas y aller. Eh bien, écoutez, on va prendre par là. Je vais prendre par là. Et pour le coup, on va arriver. On va revenir sur notre base. Nickel. Allez, on y va. J'essaierai de me renseigner pour ça, parce que c'est quand même bizarre que je puisse pas passer.
Et le temps a changé, hein, en m'approchant de cette grande porte. Bizarre. Bizarre, bizarre. Voilà. On a retrouvé le biome vert. Ah. En termes de température, c'est un peu mieux. On arrive enfin à la maison. Et je suis content, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Allez. Je rentre. Les bestiaux. Il fait quoi, tu sais. Il est reparti. En fait, il va aller manger. Il va aller manger en passant par l'eau. Non, tu vas aller manger en passant par là. Voilà. Et le loup, il a compris. Voilà. Allez. Et tu restes là. Oui. Ils ont faim. Ils ont faim. On a passé une grosse partie vagabondée. Voilà. De la vidéo à se promener. Et on pourra se reposer tranquillement. Pareil. Donc je me mets à jour dans pas mal de choses. Je range. Et on se dit à demain matin. Bon, c'est le matin. J'ai tout rangé jusqu'à à peu près 1h30. J'ai fait une petite nuit, mais bon, ça m'a quand même requinqué. Donc là, tout fond, en haut et en bas. C'est quoi ce gris? Ici, j'ai déposé tout ce qui me servira à reprendre la route pour m'installer dans un autre biome. Alors, apparemment, donc c'est pas pour tout de suite, vu qu'on n'arrive pas à rejoindre quoi que ce soit. À part le biome neige, bien sûr. Je voulais vous faire voir quoi? Oui, je voulais vous faire voir le composteur de biocarburant. Donc j'ai mis deux bidons qui sont pleins, voilà, comme ça au moins on a ce qu'il faut pour la suite des crafts. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ah, je vais me reposer un petit peu, puis on reprendra les crafts et notre train-train quotidien sur la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, mettre un commentaire, j'y répondrai au plus vite, et à vous abonner à la chaîne, c'est toujours gratuit. Merci à vous et à bientôt.